32 000 spectateurs, le stade Lescure avait pratiquement fait le plein pour ses retrouvailles avec les champions de France en titre. Les Bordelais qui vont se créer une première occasion après 10 minutes de jeu, mais sur ce centre demi-coup, Wiltord et Ziani échouent tour à tour face au but Bastier. Adeptes du jeu en contre, les Corses affichent clairement leurs intentions dans cette rencontre avec de longues ouvertures pour leurs attaquants de pointe. De leur côté, les Girondins, eux, tentent de pratiquer un football plus construit, à l'image de cette relance de Michel Pavon. Un petit pont, un relais avec Ziani et un ballon en profondeur pour l'Aslande, mais Durand intervient et écarte le danger. Le gardien corse, qui va tout de même s'incliner une première fois sur ce corner de Ziani à l'écart de la tête, ouvre la marque en faveur de Bordeaux. 1-0, ce sera également le score à la pause avec dès la reprise une nouvelle opportunité côté Girondin, mais Casanova devant Smith de la tête. Et tandis que les Bordelais commencent à donner de sérieux signes de fatigue, Frédéric Ney trouve cette fois le chemin défilé pour égaliser à un partout. Rien ne va plus dans le camp Girondin, d'autant que quelques minutes plus tard, Hervé Alicart accroche Pierre-Yves André dans la surface de réparation. Le pénalty est indiscutable et c'est le Danois Dan Petersen qui se charge de le transformer. On savait qu'ils allaient nous poser des problèmes et on s'en est aperçu. On aurait même pu perdre ce match, mais bon, on a, comme je vous dis, on a eu cette force de réaction et ce qui nous a permis de passer le cap et j'espère qu'elle sera toujours avec nous. Une réaction quasi inespérée, mais cette victoire, les Girondins la voulaient et c'est cette rage de vaincre qui va leur permettre de renverser la situation avec tout d'abord Lilian Laslande qui poursuit ici son action jusqu'au bout pour remettre les deux équipes à égalité. Du coup, le public de Lescure se reprend à y croire et il a raison, car dans la foulée, Johan Micou sur ce coup franc place une superbe frappe. Durand est battu et Bordeaux l'emporte finalement à l'arraché sur le score de 3-2.